Après plus de 3 heures de direct, au cours desquelles les 30 candidates ont enchaîné tableaux, défilés et prises de parole, le verdict est enfin tombé. La France possède une nouvelle reine de beauté en la personne de Maëva Crook. Portrait. Le jury, co-présidé par Jean-Paul Gaultier et Iris Mittenaer, et les téléspectateurs en ont décidé ainsi. C'est Maëva Crook, Miss Nord-Pas-de-Calais, qui succède à Alicia Hélie au titre de Miss France 2018. Ce soir, le proverbe « jamais 203 » se confirme, puisque la région qui a vu naître Camille Serre, élue Miss France 2015, et bien sûr Iris Mittenaer, Miss France et Miss Univers 2016. À 23 ans, la jolie rousse originaire des lignes d'enfer, qu'il est déjà titulaire d'un BTS et diplôme de droit international, est en première année de licence de droit à Lille. Elle se destine à devenir juriste en entreprise. Une jeune femme ambitieuse et cultivée. Si elle n'a pas fini première, comme Miss Corse hôtesse de culture générale, elle décroche tout de même la troisième place. Un joli score pour cette pétillante rousse, qui a avoué vouloir faire la différence, notamment, avec sa couleur de cheveux. Un pari réussi puisqu'elle a raflé la couronne aux quatre dernières finalistes. Miss Corse a été élue première dauphine, Miss Île-de-France deuxième dauphine, Miss Champagne-Ardenne trois dauphines, et enfin Miss Réunion termine quatrième dauphine. Longue vie à la reine.